chers êtres semblables et différents à la fois. Été 2022, nous avions glissé dans une coulée végétale faite d'arbres penchés qui nous regardaient passer tel que si nous étions des touristes dans un tube d'aquapark. Tandis qu'autour de nous, la végétation souffrait le martyre. Les incendies ravageaient des dizaines de milliers d'hectares de forêt. Le cataclysme climatique n'en était pourtant qu'à ses balbutiements. Les experts affirmaient que dans quelques années, nous nous souviendrons de cet été avec regret. Les radiations de la lointaine centrale Zaporizhia parvenaient jusqu'à l'écran, brouillant ma musique intérieure pour lui donner ce grésillement si caractéristique du noise. Nous tournions autour de Turenne dans une randonnée sans eau, comme voulant inconsciemment montrer à nos chers la marque du manque prochain. Je m'essayais une nouvelle forme de narration, abandonnant définitivement le format surfait, l'attirail étriqué de news, nouvelles, recueils de poèmes. Paradoxalement, j'empruntais une technique venue de l'aube de temps, le crachis des hommes de Cro-Magnon, projetant mes impressions avec ma bouche directement sur ma main, faisant office de pochoir. Un variant plus naturel du street art. Quand est-ce que la libre expression deviendra enfin une épidémie? Sur les écrans d'une plateforme de streaming, Ave et Good Trip vantaient la culture psychédélique. Elle me rappelait qu'ici, dans l'Hexagone, le label morné que j'animais était le pionnier de la musique psychoactive. J'étais là de faire semblant de créer des musiques accessibles, alors qu'il n'y avait plus de récepteurs, ou jamais eu de récepteurs autres que les arpenteurs de l'inaccessible, les découvreurs de l'impossible, ceux qui, comme toi, voient à la source qui n'a pas encore été polluée par la société du spectacle. Comble de l'ironie, durant cette marche, pas un instant je n'avais vu en tête les flashs du diaporama qui étaient venus s'intercaler au milieu du flux visuel, réduisant à néant la beauté de son étude. Seule concession au concept de carte postale, mais en forme de pionnier, l'incrustation du pied de masse photographique dans le village de Colombes-la-Rouge avait été le théâtre lors de mon passage estival. Réponse critique à la suite d'une projection commentée à la Bénie, à l'intérêt d'un spectateur pour cette discipline aimée par les photographes qui se respectent. Par contre, j'étais hanté par l'étrange mélange de la fréquence 104.1 des deux radios. Au milieu monstrueux de ces sources sonores, jaillissait un programme hybride en tout point remarquable. Si je voulais encore parler, écrire encore un article, c'est ce que je ferais. Je ne chercherai pas à m'intéresser à quoi que ce soit d'autre que dévoiler le fond de mes pensées les plus secrètes, exhiber ma fréquence intime, traduire une forme d'humour transgressif, un regard singulièrement décalé, juste avec l'espoir que cela puisse résonner en toi, et ainsi me convaincre que je ne suis pas seul à rêver d'une autre vie. Une main d'enfant tendue dans les vides pour entrer en contact. Et comme j'aime chambouler ma raison, peut-être aussi, à la façon d'un truc de LSD, remettre en cause ce qui me paraît ignoble. Et si mon éternel présent, auquel je me raccroche comme tout un chacun en quête de permanence, n'était qu'un tour de mon esprit pour éteindre mes corps. Que je puisse moi aussi évoluer librement, il me faudrait abandonner la norme brisée à mes pieds comme un mauvais souvenir. Nous sommes multiples,
carrefour de courants contraires est complémentaire. L'autre, qui se croit libre, la baigne en secret du bout de l'œuvre. Fort heureusement, la base du fantôme du Vidor Izzy le garde à bonne distance de toute tentative grossière d'illustration. Quant à moi, je n'ai plus besoin de m'exprimer. De même, celui qui veut tout comprendre ne comprendra jamais rien. Celui qui veut tout dire n'a vraiment rien à dire. Parfois, je laisse encore des fragments d'un voyage sans commencement ni fin. Et c'est tout. À la façon du prisonnier qui jette à travers ses barreaux de bouteilles à la mer, qu'un jour, sur le rivage, il en trouve une et puisse se souvenir qu'il n'est pas le premier à faire ce chemin. Impression fugitive d'un instant partagé sans destinataire précis. Sincère salutation sonore. Finalement, de notre passage, il ne reste que des traces dans une caverne ou sur la vaste toile mondiale. Celui qui aurait pu les décoder est parti. Il en a fait usage pour changer sa vie, ou s'en est détourné pour sombrer dans les bouts.